Yep, tout le monde, c'est BlackCube et aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouveau tutoriel, on va dire un peu fait à l'arrache. On va dire ça franchement. Bon, c'est pas non plus un truc que j'ai énormément préparé, mais c'est quelque chose que je voulais faire aussi, donc en faisant pas dans le tas, mais qui est pas non plus spécialement préparable, hein, on va dire, ça c'est complètement sûr. C'est pas non plus préparable, on va dire 10 minutes à l'avance, un quart d'heure à l'avance, parce qu'il peut y arriver plusieurs choses. Mais voilà, donc vous avez peut-être vu dans le titre, enfin, je sais pas trop comment nommer la vidéo, mais je pense que dans la vidéo j'aurais au moins mis le mot virus. Alors virus, en gros je vais faire, je pense plutôt un tuto, pas sur comment créer des virus, mais plutôt sur, dans un premier temps, identifier les virus, rapidement. Dans un second temps, se marrer avec les virus. Deuxièmement, hein. Et donc troisièmement, pourquoi pas essayer de trouver le destinataire. Alors, bon, là franchement... Le troisième point va être le plus dur, le deuxième point peut être assez fun, vous allez voir comment ce que je vais m'y prendre. Et le premier point, bah ça va être un peu le plus dur, quelque part. Donc tout d'abord, ce que je vais vous dire, c'est que je vais me considérer comme un utilisateur banal, lambda, peut-être comme vous, qui ne savez pas trop non plus utiliser un PC. Enfin, quand je dis ça, c'est que vous savez l'allumer et tout, hein. Sinon vous serez sûrement pas là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, vous savez pas non plus installer, enfin je sais pas, vous savez installer quelques programmes, et voilà quoi. Vous savez pas spécialement faire plus, aller, je sais pas, changer votre adresse IP de PC, bref, voilà, je veux vraiment être un utilisateur normal, genre vous connaissez pas non plus peut-être les processus ou autre. Donc voilà, je vais être un utilisateur assez normal, et essayer de faire, on va dire, les conneries qu'un débutant peut faire, ou qu'une personne normale peut faire, parce qu'il faut savoir, hein, que parfois on se fait complètement piner, enfin voilà quoi, parfois vous téléchargez des trucs sans vraiment le savoir ce que c'est, et en fait au final, bah, vous voyez rien de ce qui se passe derrière. Donc je vais vous expliquer en fait comment... On va dire arriver donc du point A, par exemple. Là, moi j'ai pris, on va dire, en gros, parce qu'un pote à moi s'était fait hacker son compte Steam, je me suis dit, bah tiens, on va rechercher un brute force. Alors, un brute force, c'est quoi? C'est un logiciel en fait qui teste plein plein de mots de passe différents. Et en fait, donc je suis allé sur YouTube, j'étais sûr que j'avais trouvé des conneries évidemment, mais bref. Et donc, je suis allé sur YouTube et je vais vous dire un peu comment. Enfin, éviter déjà d'aller chercher des virus comme ça, enfin des trucs comme ça sur YouTube. Mais en fait, comment vous dire, comment pas détecter le truc, mais ah, j'ai perdu le mot. Comment est-ce que je pourrais vous dire ça? Ça fait beaucoup de comment tout ça. Voir, putain, voir comment aussi. Ah oui, en gros, passer donc de l'étape A, donc c'est-à-dire télécharger, on va dire, le virus ou le truc, voilà, si vous êtes un hacker trop dark, télécharger le truc et au fait au final laisser un commentaire sur la vidéo et en fait bah voir que finalement vous avez été, oh lols, bloqué par l'utilisateur. Vas-y, bâtard, voilà, erreur, veuillez réessayer. J'ai été bloqué. Là on voit pas évidemment, vous voyez, hein, c'est pour ça que je vous ai dit qu'on peut pas non plus tout préparer à l'avance. Là on voit que YouTube ne veut pas me dire que j'ai été bloqué par cet utilisateur. Drôlement méchant. Tu es drôlement méchant. Fuck, c'est quoi cette vidéo? Ah, c'est ta vidéo de merde, toi. Ouais, je lui. Voilà. Erreur, mais, bref, de toute façon, je peux pas poser de commentaires, ça c'est sûr. Ouais, voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu comment passer de l'étape A, on va dire, à l'étape Z. C'est très très drôle. Donc je vous dois un petit peu plus d'explications rapidement. Donc comme je l'ai dit, un pote s'était fait donc hacker son compte Steam. Il s'est fait hacker son compte Steam et du coup. Il croyait que c'était donc un keylogger. Alors un keylogger, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel qui enregistre tout ce que vous tapez sur votre clavier et vous voyez pas qu'il le fait, hein, tout simplement. Vous voyez pas qu'il enregistre toutes vos, comment dire, toutes vos manipulations, etc. Enfin, du moins avec le clavier. Par exemple, vous tapez bonjour sur votre clavier, bah, ça va les sauvegarder dans un fichier. Vous tapez par exemple tous vos mots de passe, ça va les sauvegarder dans un fichier. Voilà comment récupérer de manière simple et efficace tous les mots de passe et login de quelqu'un sur un ordinateur. S'il les tape, évidemment. Donc voilà, donc il s'était donc fait hacker son compte Steam. Et en attendant, on va dire que, on va dire, j'analyse, on va dire, ce qu'il pensait être un keylogger. Et je pense pas que c'en est un finalement. Je me suis dit, bah tiens, on va essayer de taper sur YouTube, donc le brute force. Donc ce que je vous expliquais rapidement, Steam brute force. Voilà, donc je me suis dit, bon, de toute façon, je sais très bien que je vais tomber sur des conneries, mais voilà. Alors. Avant de tester tout ça, parce que donc en deuxièmement, vous vous rappelez, il y a l'étape se marrer. Bon, et moi je me marre avec les virus, hein, ça c'est une évidence. Mais comment vous dire? On va donc installer avant, enfin vous allez installer peut-être, si vous ne connaissez pas, bah, regardez juste le tuto à la limite quoi. Si vous vous y connaissez un petit peu, bah, vous allez pouvoir faire, donc c'est installer VirtualBox, hein.
En gros, on va donc simuler un PC à l'intérieur de notre ordi. Tout simplement. Donc vous allez voir s'il est bien se lancer. Bon, là je suis en mode record, donc bon, j'espère que ça va pas prendre trop de temps. Allez, donc je vous l'ai dit, hein, tuto vraiment fait pas à l'arrache, mais en mode bourrin. Donc là vous pouvez voir donc que j'ai bon, une version Linux, une version XP, une version Windows 7. Alors, qu'est-ce que c'est un PC dans un PC? Donc une machine virtuelle, on appelle ça. Oh, putain, je l'ai mis 1,5 Go de RAM. En fait, c'est une machine, on va dire, qui va se c'est un PC qui va se comporter donc, comme un ordinateur, sauf qu'il vous est, comment dire, c'est virtuel, il n'existe pas. Donc on va juste lui mettre 1 Go de RAM, parce que bon, je vais partir loin. 1 Go déjà, c'est largement suffisant. Hop là. Vous allez comprendre tout de suite, par exemple, si je le lance, bim. Hop là. Si je lance le truc. Voilà. Donc là, voilà. J'ai donc un Windows XP qui se lance sur mon ordinateur. Alors vous voyez bien, hein, en fond, je suis bien sous Windows 7. Hein. Donc c'est ce qu'on appelle une machine virtuelle. Et donc là-dessus, on va pouvoir tester plein de trucs et ça ne touchera en rien, enfin ça n'affectera en rien votre ordinateur normal de base. Peut-être que ça cramera justement cette machine virtuelle, mais ça au pire on s'en fout parce que c'est un simple à installer. Alors que votre ordi, bah voilà, que vous n'avez peut-être pas envie de tout perdre dessus. Donc là, vous pouvez y aller sans crainte, c'est avec ça donc je vais tester les différentes choses. Alors pourquoi est-ce que j'ai pris XP? Parce que déjà XP il est pas lourd, hein, on peut voilà, on peut l'exécuter assez facilement. Et le problème, c'est qu'avec Seven, bah, il est plus lourd et pff, il est plus chiant, quoi, avec toutes les mises à jour et tout, que j'ai pas vraiment fini d'installer. Enfin, c'est assez casse-couille. Donc voilà. J'ai XP qui est là. Mais on va d'abord, donc, rapidement. Je vais faire l'utilisateur lambda. Vous allez voir qu'il va donc tester le virus. Mais vraiment, lambda, hein, je n'y connais rien. Donc j'arrive sur la vidéo, hop là, je regarde, hop là, je vois sa vidéo. Tout, je me dis, ouais, salut à tous, voici la dernière version du logiciel pour hacker les mots de passe Steam avant tout. Désactiver votre antivirus. Oh ouais, oh lols, je vais le faire. Non, non, je vais quand même pas le faire dans la vidéo parce que. Ah si, bah si, faut que je fasse. Parce que sinon, quand je vais le télécharger, il va me dire que c'est un virus. Donc je continue la vidéo. En plus, il a va ce naze. Ah bah c'est la meilleure passeur au monde. Bonjour, on vous attend. Allez. I got a feeling. Donc Steam Hacker version 2.1. Voilà, nice, tout. Alors le truc déjà en plus qui m'a vraiment attiré, c'est un hack contre Steam par brute force. Donc en gros qui teste plein de mots de passe en même temps. Qui était payant, je le mets gratuit pour vous. Voici deux liens. Merci à toi. Très gentil. Enfin, franchement, c'est surtout pour ça en fait que moi que j'ai cliqué. Donc pour ceux qui comprennent pas, hein, je me prends pour un utilisateur normal, hein, parce que sinon je ferais pas ça. Enfin, remarque, au pire, hein, au pire. Protection mail, ça je laisse, pare-feu, oui, ça je laisse. Par contre, le link scanner est déjà désactivé, c'est nice. Ok. Donc on va dire que ça va être ta gueule, Black Eyed Peas, ta gueule, 2 secondes. On va donc dire que c'est ce PC-là sur ce PC-là que je vais tester. Oh bah tiens, ils sont déjà là, bah c'est pas grave. Bref. Donc hop là, on laisse la musique en fond. Donc je télécharge le premier. Have a good night. It's a nice gonna be. Have a good night. Bon, je connais pas les paroles. Nice gonna be. Have a good, good night. Click here to download. Just start download from SandPacks on register. But ok. Bref. On va dire que je l'ai enregistré, donc que je l'ai mis sur mon bureau. Alors, c'est lequel? C'est lequel? Bon, moi je sais pas lequel c'est. Je vais juste rapidement voir. Le plier T. C'est pas celui-là, c'est donc celui-là. Bim, je lance. Oh god, motherfucker! Erreur, l'application n'a pas réussi à s'initialiser correctement. Plage d'adresse mémoire, cliquez sur OK pour arrêter l'application. Donc en gros, tout simplement, il vient de dire, Windows vient de me dire que l'application n'a pas marché. Bah merde alors, t'es chier. Je remets la musique. Et là, je vais dans les commentaires, parce que comme voilà, comme je suis quelqu'un qui lit les commentaires que quand il a un problème, et encore. Quand je veux l'ouvrir, ce double clic, ça s'ouvre pas. S'il te plaît, réponds-moi. Utilise le deuxième lien, marche toujours pas. Bizarre les autres. Blablabla. Ok, bon, je dis bon, allez, je vais faire mon pigeon. Non, je vais télécharger le deuxième lien. Hop là. On lance le programme, on enregistre tout. Nickel. Ok, nice, il se retrouve là. Super ça. C'est super. On le lance. Hop là. Et voilà. C'est bon, je le lance. Allez, est-ce que je pourrais hacker des comptes Steam? Allez, allez, allez. Bah alors, il se lance pas. Qu'est-ce qui se passe? On lance? Non? Lance-toi! Allez! Bon. Oh, ça se lance pas. Bon, ça marche pas. C'est dommage. Pouce rouge. Non, j'éconne. Bah si, bah si. Pouce rouge. Ah non, remets.
Oh, ça marche pas, fait chier et tout. Bon, bref, vous avez compris le truc, hein, vous êtes super déçus parce que votre virus, enfin votre virus, non, mais votre petit logiciel de hack que vous n'avez pas fait ne marche pas. C'est triste, hein. On va même pleurer. Pleurons. Bref, tout ça pour vous dire que, on va dire que ma petite session utilisateur lambda est finie. Je vais vous dire rapidement les erreurs donc à ne pas commettre, surtout à ne pas faire. Hein. Je vais être gentil, donc là j'ai un peu fait le con, j'ai un peu exagéré sur les bords évidemment. Hein. Peut-être que certains d'entre vous qui même si vous ne savez pas certaines choses, peut-être que vous n'aurez jamais fait ça, mais bref, j'ai exagéré, je vous l'avoue quand même. Mais bon, c'est quand même quelqu'un peut-être de un enfant, on va dire, hein, de 11-12 ans, qui s'y connaît en rien en hack, qui va tomber sur ça, bah il peut se faire avoir facilement. Je dis 11-12 ans, mais ça peut être encore plus, hein, 15, 17, mais bon, après, à partir de là, c'est plus trop un enfant. Bref, donc déjà, première erreur. Déjà, première erreur, un truc qui m'a mis vraiment la puce à l'oreille quand j'ai regardé la vidéo, un hack contre Steam par brute force qui était payant. Alors déjà, les hacks sont souvent payants, ça c'est sûr. Je le mets gratuit pour vous. Alors ça pue le fake, mais à 10 km, mais oh là là. Mais vous, si vous saviez, Darkness, who's speaking to me? P4, t'as pas mis ton TS. Bah, je le mets si tu veux. Hop là, je lance donc mon TS pour Darkness. Nice, voilà. Donc, hop là. Déjà, première erreur. Enfin, première erreur, non, mais déjà, premier truc qui pue un peu la merde. Ensuite, deuxième chose. Les deux liens. Putain, j'ai fermé la vidéo, fait chier. Pas grave. On va donc la rouvrir grâce à Opera, car Opera gère. Hop là. Les deux liens, donc. Le premier que j'ai ouvert et le deuxième. On arrête. Ok. File 6 268 KB. Donc peut-être que certains ne connaissent pas trop ça, mais maintenant je pense que tout le monde connaît à peu près les différentes mesures, hein, octets, kilo-octets, méga-octets. Donc je vais pas vous dire non plus que 1 kilo-octet c'est 1024 octets et pourquoi c'est 1024 et pas 1000. Enfin bon voilà, bref. On s'en fout, ça vous n'avez pas à savoir spécialement. Mais vous voyez très bien que 268 KO pour le premier, donc pour le premier que j'ai testé, et le deuxième 1,63 MO. Ce qui veut dire que celui-là est, on va dire, 5 à 6 fois plus petit que celui-là. Donc déjà ça, indice numéro 2 qui m'a mis la puce à l'oreille et qui pue le fake. Donc là le fake commence à prendre de l'ampleur. Donc il est repoussé à 20 km. C'est quand même pas mal, hein, 20 km pour moi. C'est pas mal quoi. À la fin, vous allez voir, on va atteindre Paris, je pense. Enfin, je suis à Nantes, on va risquer d'atteindre Paris, peut-être voire même l'Allemagne. Hein. Mais PK, t'es en occupé, mais pas PK la vie quoi. Parce que je suis en mode vidéo, ma gueule. Hop. Ok. Donc voilà, donc vous avez vu. Déjà, deuxième fake. Pourquoi est-ce qu'il vous dit je vous gratuit, je vous voici deux liens? Dans la description, logiquement, les deux liens, donc déjà les deux liens, enfin c'est un peu voilà bizarre. Ensuite, on peut se dire, bon bah peut-être qu'il a mis un premier lien, enfin le deuxième lien pour sauvegarder le premier, enfin voilà un truc comme ça. Si jamais le premier ne marche plus, bah bim, il y aura le deuxième. Et bah, vous avez vu, hop là, le deuxième, il est comment dire, il est beaucoup plus gros. Ensuite, quand on va dans les commentaires, parce que j'ai lu les commentaires quand même avant, quand je veux l'ouvrir, je double-clique, ça s'ouvre pas. Donc déjà, ça pue un peu la merde, s'il te plaît, réponds-moi. Et ensuite, il te dit tout de suite, utilise le deuxième lien. Ce qui veut dire, quelque part, qu'il se crame lui-même, parce que il est en train d'insinuer que le premier est différent du deuxième. Parce que si le premier marche pas, le deuxième, logiquement, n'est pas censé marcher, si c'est le même programme. Marche toujours pas. Bizarre, les autres, ça fonctionne. Je verrai ce que je peux faire pour toi. Ouais, bien sûr. T'as vu, aucun autre commentaire. Salut hacker, tu l'as bien crypté ton styleur ou serveur? Bref, je sais pas de quoi il parle. Moi, les deux liens marchent pas. Bah oui, voilà, toi tu t'es fait baiser quelque part. Le XD, je sais pas d'où est-ce qu'il sort. Faut savoir que j'avais mis des commentaires ici, donc peut-être qu'on peut aller les voir. Mais j'avais mis des commentaires sur cette vidéo, alors ma chaîne. J'ai mis des commentaires aussi avec mon deuxième compte. Ah, j'ai pas les flux, merde. J'ai pas mes propres. Bon, bah c'est pas grave. Mais je sais que j'avais mis donc plusieurs commentaires. Donc bon. Bref, donc là, on se rend compte au final qu'un, il se crame un peu tout seul en disant ouais, bah les deux, c'est pas les mêmes choses. Bref. Alors donc quand on est donc sur notre machine normale, enfin notre machine virtuelle. Ok, salut YouTube. Donc hop là. Salut YouTube de Darkness. Vous l'avez eu. Hop là, je mets ça sur mon deuxième écran. Nice, PGM, tout. Tac tac, t'as vu ma gueule. Hop là, donc là, on a donc vu rapidement. Donc le premier ne marchait pas, le deuxième ne se lançait pas.
Ah, je peux toujours réessayer, vous avez vu, ça fait déjà 10 minutes que je l'ai lancé. Allez, vois ça aussi. Il fait de la pub pour sa chaîne. Ah, le trou du cul. Hop là, si vous voulez, vous avez 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce sont les secondes à Black Choup. Ok. Ah bah j'ai cliqué. Eh merde, bon. C'est bon, MDR. Bref, donc voilà. Donc on va maintenant, on va dire, commencer un petit peu l'initiation. Pas au hacking, mais on va dire un petit peu, voir un peu comment les virus, s'ils sont lancés, enfin. Vous allez un petit peu voir, détecter un petit peu les virus un peu fake et chelou, hein, je vous le dis. Donc comme ça, si vous avez un programme en général qui se lance pas, peut-être que certains connaissent donc le gestionnaire de tâches. En général, le gestionnaire de tâches vous sert à tuer, pardon, des programmes qui ne répondent pas ou plus. Donc certains connaissent, hein. Vous êtes en général dans Applications. Mais bon, quand il n'y a aucune application, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut aller dans Processus. Alors Windows XP, le seul logiciel, enfin le seul système d'exploitation qui peut fonctionner avec moins de 100 mégas de RAM, ça c'est pas magique quand même, franchement. Comparé à Seven qui demande 1 giga au moins. Voilà aussi pourquoi j'ai pris XP. Bref. Donc, vous avez vu, le logiciel s'appelle donc hackconsteam 2012.exe. En général, quand le logiciel se lance, il apparaît donc dans les processus, onglet processus. Et il apparaît sous le même nom dans les processus que le nom du programme. Et là, en l'occurrence, on voit, oh bah tiens, hackconsteam ID 2012.exe. Ça alors. Il est lancé, la taille de mémoire ne bouge pas, donc on peut penser qu'il est buggé, mais bon, il est lancé. Et ouais, il répond pas, enfin il répond pas. Il est voilà, il apparaît pas dans les applications lancées et tout, mais il apparaît bien dans les processus. Alors, moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai fait comme un con terminer le processus. Et oui. Si vous avez un ordi et que vous avez fait ça sur votre propre ordi, ne faites pas oui. Boum! MDR! Ah, écran bleu, toi qui es beau. Allez, je remets un petit coup à la musique. Merci à toi, merci pour ton programme pourri. Voilà, c'était la musique du jour. Ouais, je sais pas pourquoi je fais la vidéo, mais j'ai trop la pêche. Donc voilà, écran bleu. Qu'est-ce que c'est un écran bleu, hein, simplement. Donc, hein, votre ordinateur se stoppe, il se fige, en gros. En général, quand vous avez un écran bleu, c'est que Windows a planté. Il faut y aller quand même pour faire planter Windows. Et là donc un processus ou un thread crucial, c'est-à-dire un programme crucial en fonctionnement du système s'est terminé d'une façon où était interrompu de façon inattendue. Donc là, en gros, on peut supposer que c'est notre logiciel qui a donc fait planter Windows. Il faut y aller. Donc on va donc redémarrer notre machine virtuelle. Si jamais vous voulez savoir comment installer comme ça des machines virtuelles, comme ça, sans spécialement voilà, tout réinstaller sur votre ordinateur ou autre, bah, dites-le moi, je ferai un tuto. Pas de problème. Peut-être même des tutos sur ordinateur, hein, en gros, comment se servir de ça ou ça, en parallèle, on va dire, des autres tutos. Ce qu'il faut savoir que je vais reprendre les tutos For Delta One, il faut juste que, on va dire, que je trouve un petit peu le sujet, ainsi que les tutos PHP, quoi. Donc, c'est pareil, il faut que je trouve un petit peu le sujet. Puis là, j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo parce que ce truc-là m'avait bien fait marrer. Donc, il me reste 25 minutes pour finir la vidéo, j'espère que ça va suffire. Donc, on redémarre notre ordinateur. On se dit ouais, bah ça pue la merde, hein, son truc. Alors maintenant, moi en général, quand j'ai un écran bleu comme ça, et que c'est à cause d'un processus que j'ai killé, en général ce que je fais c'est que je retourne donc dans le gestionnaire de tâches et dans les processus pour voir si c'est pas remis au démarrage. Par exemple. Donc là, on va voir nom de l'image. Il n'y est pas. On est bien d'accord, il n'y est pas. Mais quelque chose de très intéressant et de très drôle est apparu à l'écran dans les processus. Qu'est-ce qu'on peut voir? Oh my god! Trollface.exe! Trollface.exe! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Quand j'ai vu ça, la première fois, je me suis dit, mais oh là là, quoi! Mais alors, lui, déjà, un, il a un programme en mousse qui n'affiche rien, alors qu'il pourrait au moins afficher genre un message d'erreur qui dit que la version n'est pas compatible avec notre système. Voilà. Deux, il appelle ses programmes, mais n'importe comment, donc ça pue la merde. Donc déjà, au début, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, bah toi, mon gars, tu dégages. Et là, et bim! Ça alors, un processus ou un thread crucial au fonctionnement du système s'est terminé ou était interrompu de façon inattendue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on aura une petite musique.
Je perds du temps, hein. Je suis désolé. Donc on va donc redémarrer là. On va mettre la petite musique en fait pendant que ça redémarre. Donc là, bon, là c'est la musique du hacker, on va dire. Hein. Enfin, du hacker, du boloss, on va dire ça comme ça. On l'appelle le boloss. Donc on est d'accord, hein, deux écrans bleus comme ça, coup sur coup, ça fait pas plaisir. Moi, quand ça m'arrive sur mon ordinateur normal, hein, ça me fait chier, ça me fait peur limite. Quand ça m'arrive sur une machine virtuelle comme ça, je rigole. Hein. Franchement, moi j'en parle avec les potes, tout, parce qu'on est tous un petit peu geek évidemment. Dans la session où on est, c'est un petit peu normal. Ok. Nice gonna be, have a good night. Bref, donc là on voit donc, hein, hop là, que ça a redémarré. On retourne dans le gestionnaire de tâches et qu'est-ce qu'on voit? Trollface.exe. Le revoilà, notre cher Trollface.exe. Alors, vous avez donc maintenant réussi à localiser votre virus sans vraiment le savoir. Hein. Le localiser dans les processus. Donc maintenant, en fait, vous savez qu'il est actif, qu'il se lance à chaque démarrage de Windows et ça vous fait plutôt chier. Donc, déjà, rapidement voir, parce que ça, j'ai même pas. Ah, il est même pas dans le démarrage là. Bon, bah, je sais pas comment il fait pour se lancer au démarrage en tout cas, mais je sais qu'on va pouvoir aller le trouver. Donc en général, quand voilà, quand il y a un programme comme ça, trollface.exe, ça veut dire qu'il se trouve quelque part sur votre disque dur. Donc là, ce qu'on fait, normalement, on fait donc poste de travail hein, sur Windows 7, tout. En fait, rechercher. Donc là, je vais donc taper trollface.exe. Hop là. Face.exe. On recherche dans le poste de travail et là, hop là, on l'a trouvé. Vous venez donc de localiser votre virus. Ou du moins, ce qui s'apparente à un virus. Vous allez donc ouvrir le dossier le contenant et là on peut voir qu'il allait se fourrer le compte dans C Document Setting Administrateur Application de Data. Et qu'est-ce qu'on peut voir d'autre aussi actuellement? Trollface.exe 1672 KO. Et si on va sur Acconti d'Estime 2012 et qu'on va dans les propriétés, on voit 1718 octets. Les deux programmes sont très proches. Alors je vais vous expliquer en fait rapidement en gros ce qui s'est passé. En fait, quand vous avez lancé ce programme-là, donc il s'est lancé donc dans les processus, donc vous l'avez lancé. Ensuite, lui, il a copié en fait donc comment dire, ce fichier, enfin ouais, si cet exécutable-là contenait l'exécutable trollface.exe. Donc il l'a mis donc dans votre dossier, voilà, donc dans votre dossier ici, il l'a placé là. Et voilà, en gros, donc il est un petit peu plus gros, mais on peut voir que la taille est vraiment pratiquement la même. Donc bon, quelque part aussi, ça pue un peu la merde. Et voilà, on voit aussi, oula, Trollface, comme ça, Trollface, tout, bon, bah c'est quoi ça? Un KO. Date de création 17h55, bon bah c'était il y a une minute déjà. Si je fais éditer avec Notepad, non. On voit started, pause de travail, 17h54-49, trollface.exe. En fait, là, je crois que ça veut dire qu'il l'a exécuté. Bah, je sais pas, en fait. Genre, on va ouvrir, par exemple, imaginons qu'on ouvre Firefox. Tac. Imaginons qu'on ouvre Firefox. Imaginons que Firefox s'ouvre. Hop là. Voilà, donc Firefox s'est ouvert un coup. Est-ce que là, on actualise? Non. Donc, il s'est pas actualisé, bon. Donc en gros, il doit passer par le pot. Enfin, je sais pas comment il se démerde. Bref, il se lance au démarrage. Donc là, on voit started 17h43-25. Première exécution. Pause de travail 17h54-49. Bon, bah ça, hein. Trollface.exe. Bref. Ah, si, peut-être qu'il a dû. Peut-être qu'en fait, qu'on a fait la recherche. Peut-être qu'il s'est dit. Enfin, peut-être qu'il a enregistré ça. Ah, bah oui! C'est ça. Je suis con. Voilà, donc en fait, peut-être que vous avez compris, que certains avaient compris avant moi, mais j'ai pas du tout tilté. En fait, donc, ce logiciel est donc un keylogger! Musique, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un keylogger? Un keylogger est donc un logiciel qui permet d'enregistrer donc tout ce que vous enregistrez sur votre clavier, comme je l'ai dit en début de vidéo. Mais vraiment tout, hein, vous avez vu là. Il m'a enregistré trollface.exe. Quand je l'ai tapé, hop là, il me l'a enregistré dans ce fichier texte quand je l'ai tapé, donc, dans la recherche du poste de travail. Alors, est-ce qu'on pourra voir quelque chose de très intéressant en présent? On va donc faire un nouveau document texte. Je vais l'ouvrir et je vais donc écrire salut à toi, hacker. Alors, je vais essayer de mettre hacker. Je vais pas mettre de virgule tout, tu es nul car je vais te pwn. Non, ça fait prétentieux, tu es nul. Trois petits points. On enregistre. Et là. On peut faire actualiser ici. Ah!
Si je fais... Non, bah non. On quitte. Non. On tourne là. Oh bah tiens. 17h58, dernière modification. Bah tiens, c'est mince maintenant. Oh papa. C'est document and setting administrateur bureau nouveau document texte 2.txt. En gros là, il nous indique le chemin du fichier dans lequel donc on a modifié. Avec le programme. À l'heure qu'on l'a faite. Salut à tous, à... Ah, je dis à tous, ouais, bah j'ai mis de la merde en plus, hacker, backspace. Ah, par contre, je sais pas pourquoi il a mis backspace. Tu es nul car je vais te pawn. Backspace. Ah ouais, mais non, mais j'avais supprimé ça moi, et oh. Ah, nanana. Ouais, bon, bah vous voyez, même le Keylogger, il sait que je l'ai trouvé découvert, quoi, c'est quand même horrible. Mais voilà, vous avez vu. Hop, 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 là. Il a donc tout chopé. Alors imaginons à présent que maintenant vous avez une chaîne YouTube avec allez quoi. On va dire. Non, pas une chaîne YouTube. Un Twitter. Twitter.com. Hop là. Vous avez un Twitter. Vous avez donc non. Hop là. On va donc mettre. Putain par contre ça pue la merde là-dessus, et donc. Et oh. Firefox tu pues. Ah, c'est une vieille version aussi. Option. Let's give it on my friend. Oh bah oui, version 3.3, bah oui, au moins. On peut voir donc, hein, si je tape par exemple... Fake. Hop là, je vais se connecter. Donc bon bah, jamais pour ce site. De toute façon, au pire, si jamais je trouve le mot de passe à quelqu'un, je hurle. Ouais, ça m'étonne pas. this file, modifié par notre programme, run this file. Donc en gros, est-ce qu'on le recharge parce qu'il a été modifié? Oui. YouTube, broadcast yourself, Mozilla Firefox, Twitter.com. Il a même pas saisi... ce que j'avais écrit. En plus, c'est un keylogger de merde. Oh là là. Oh là 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 là. C'est quoi ce keylogger? Sans déconner. Ah, il est là. Voilà. Fake. Donc là, voilà. Il récupère le login et le mot de passe. Comme ça. Sans que vous en sachiez vraiment rien. Alors, vous allez me dire. Ouais, mais ça sert à quoi que ça reste sur notre ordinateur? Vous n'avez pas tort. Vous avez absolument pas tort. Ça sert à quoi que ça reste sur votre ordinateur, le fichier? Il pourra pas y avoir accès. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Le truc, c'est que il l'envoie sur un serveur distant. J'ai voulu le dire avec un peu une voix. Non, mais voilà. En fait, il l'envoie donc ça sur un serveur, ou plutôt peut-être même son adresse, même sur son propre ordinateur. En tout cas, je sais qu'à ce moment-là, il l'a foiré. Donc, date du 16 juin 2012. Hein, ce qu'il faut savoir, c'est que donc c'est assez récent, on va dire, comme Keylogger. Hacker en mousse, séquence 1. Bref, donc vous avez vu, donc il envoie, enfin je vous l'ai dit, donc il envoie ça en fait quelque part sur donc un serveur ou une IP, donc enfin un serveur, ça c'est sûr, ou sur son ordinateur. Sur son ordinateur, donc là pour ceux qui voulaient savoir ce que je fais depuis tout à l'heure, Xtime, hein, j'en télécharge en fait MW2 mais en anglais parce que moi je suis un fou, et en fait. Je vais donc rapidement vous montrer comment on fait pour rapidement voir vers où est-ce qu'il envoie ça. Alors, ceux qui sont intéressés, hein, évidemment, pour voir un peu comment ce que je... Pas que je l'humilie, mais voilà, au moins que voir que c'est assez simple. Vous allez donc aller donc sur wireshark.com ou .fr, bref, le lien dans la description. Pareil, le lien du logiciel, elle sera dans la description, ce sera même plus simple. Vous installez donc le logiciel. Marc, moi, il est déjà installé, mais je m'en fous, je vais faire une réinstallation dessus comme un barbare. Donc, vous lancez le logiciel. Wireshark, en fait, va vous permettre. Ah, bon, bah, je le désinstalle d'abord. Bref. En fait, il va vous permettre de. Comment dire. D'analyser. Non, ça, si je vous dis ça, c'est vous allez vous perdre un petit peu dans le truc. De voir. Hop là. Alors, surtout si vous faites ça, installez Win4.1.2. De voir en fait vous allez il va comment dire il va vous montrer vers où les connexions se font, enfin comment dire, quand vous envoyez, quand on prend, vous allez sur un site et ben vous envoyez ce qu'on appelle des paquets et vous recevez des paquets, et donc le logiciel vous dit donc vers quelle IP sont envoyés ces paquets. Par exemple, YouTube a une adresse IP, donc une adresse IP pour ceux c'est une adresse unique que un équipement a, donc quand je dis équipement c'est un PC, un Mac, un serveur, voilà quoi, même votre téléphone quand il est connecté en 3G, il a une IP, bref. Et donc il envoie ça donc vers une IP, donc en général ok, bon, au pire hein.
En général, donc, ce qu'on utilise pour un keylogger, on envoie ça sur un serveur. On envoie ça sur un serveur. Sauf que le serveur, en général, enfin, il faut qu'il ait une adresse IP. Donc, il a dû spécifier dans son programme soit un nom, soit une adresse IP. Et donc, même grâce à ce nom, on va pouvoir récupérer l'IP sur laquelle le programme essaie d'envoyer les paquets. Parce que faut savoir qu'il n'y arrive pas. Je sais pas pourquoi, mais ce boloss là, ce hacker, on va remettre la musique quand on parle de lui parce que c'est quand même quelqu'un d'important. Bref, en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie sur une IP qu'on n'arrive même, que le keylogger lui-même arrive même pas à envoyer. Enfin, en gros, il trouve pas à qui l'envoyer. Il sait à qui l'envoyer, mais il le trouve pas. Donc c'est pour vous dire un petit peu la dose d'intelligence de celui-là. Sauf que c'est même pas lui qui l'a fait, hein, le keylogger, ça c'est complètement sûr. Si ça se trouve, c'est pas lui qui l'a fait. Donc on a installé Wireshark. Hop là, on lance donc Wireshark. Donc là, sur cet écran-là, ça risque d'être assez chaud. Je vous l'avoue. Donc ce logiciel-là, c'est peut-être un petit peu compliqué. Voilà, ici, bref. Ce que vous allez faire, c'est simplement capture, interface. Et vous allez cocher donc la seule logiquement que vous avez. Vous allez faire start. Et voilà, c'est parti. Donc là, vous avez donc tous les paquets qui sont en train d'être capturés. Donc évidemment c'est que sur votre machine virtuelle, hein, c'est pas sur votre machine locale. Donc tout ça on s'en fout parce qu'on connaît pas. Et donc vous voyez ici donc IP source, donc ça c'est mon adresse IP de mon PC, vers l'IP de destination, donc ça c'est donc une c'est quelqu'un ou quelque chose plutôt, donc ça ce sont les serveurs DNS en l'occurrence, ce sont mes serveurs DNS, donc les serveurs DNS ce serait compliqué à vous dire mais c'est très important. Tout le monde en a évidemment. Et ça les RP c'est autre chose. Je pense que c'est je crois que c'est une attribution automatique de la RCP, enfin je sais pas trop. Bon, maintenant on va juste à attendre notre hacker. On va mettre la musique. L'IP sur laquelle essaie d'envoyer le log. Alors, trollface.exe est là. Est-ce qu'il vous croyez qu'il va l'envoyer? Aïe aïe aïe, ça m'étonnerait. I got a feeling. Allez quoi, logiquement c'était parti plus vite. Bref, de toute façon. Si ça marche pas, faut juste redémarrer l'ordinateur, ça marchera, mais j'ai la flemme de le faire, on va dire. Une fois que vous avez par exemple, en fait, je vais vous montrer en fait le résultat que vous devez à peu près avoir. Hop là, cancel. Tac. Hop là, donc en fait j'avais fait, je crois, donc une capture. Donc au final, vous devez avoir plein de trucs. Voilà, le voilà. C'est lui. Vous devez avoir par exemple, voilà, des. Logiquement, si vous testez avec celui-là, vous devez avoir donc parfois des lignes comme ça noires sur vert qui arrivent. Donc là j'ai peut-être pas attendu assez longtemps aussi à vrai dire. Voilà, donc là je le retrouve une fois. En fait il envoie à peu près, donc là, 282 secondes. 100, 135. Ça fait combien de ça? 282, 135, ça fait 100, 150. Donc en gros, toutes les 2 minutes 30 il envoie. Ouais c'est ça, toutes les 2 minutes 30 il essaye d'envoyer donc son log. Alors je vais couper la musique. Il essaye en fait d'envoyer. Donc le log dans lequel tout est répertorié. Et donc en fait, voilà, parfois vous allez avoir donc une adresse IP comme ça qui ressort que vous connaissez pas. Hein, faut savoir que toutes les adresses IP en 192, 168, etc. 0.0, 1.0, enfin bref, tout ça c'est votre ordinateur. Donc vous en occupez pas. Les adresses IP, en fait en gros, quand ça apparaît genre comme ça en gris, en noir, bah c'est que c'est pas normal en fait à peu près. Hein, quand c'est en bleu ou en vert, comme ça, c'est très beau, c'est normal. Mais là vous voyez, hop là, ici. Bon bah ça on comprend pas tellement, mais là on voit tout simplement très très bien que ici host unreachable, donc en gros le keylogger, je vous explique le truc, envoie à l'adresse IP, il envoie le log. Problème c'est que au bout d'un certain temps on lui dit ouais bah non arrête parce que enfin ce sont mes comment dire pas les serveurs DNS mais en gros on lui dit non trouve pas l'IP, enfin lui trouve pas l'IP, enfin je sais pas, on lui renvoie un paquet en gros qui dit on trouve pas l'IP ou alors destination unreachable, ou alors ça veut dire que l'IP a été trouvée mais que le port sur lequel il l'envoie n'a pas été trouvé. Donc peut-être que je parle un peu plus, peut-être que c'est un peu complexe pour certains, mais en gros dès qu'on envoie quelque chose il faut spécifier un port, c'est-à-dire une route sur laquelle ça va arriver sur l'ordinateur. Par exemple quand vous vous connectez par exemple à youtube.fr, et bah ça va sur le port 80, c'est le port HTTP. Donc dès que vous tapez par exemple ici donc HTTP 2.2 slash youtube.fr, c'est le port, enfin comment dire, c'est pas le port mais c'est le si c'est le port, voilà c'est le port HTTP par exemple pour un port, je sais pas si vous voulez vous connecter pardon à un serveur FTP, donc File Transfer Protocol, donc en gros
Un FTP, c'est par exemple là où héberger un site web, bah, vous mettez FTP 2.2/ votre site.com. À la limite, vous pouvez mettre le port 21. Enfin voilà. Bref, ce sont différentes routes. Pardon, différentes routes en fait qui permettent donc de spécifier sur quoi est-ce que l'ordinateur va écouter pour récupérer les informations. En gros, hein, pas non plus que ce soit un peu trop complexe pour certains. Hein. Bref, donc là on peut voir de toute façon qu'il n'arrive pas à envoyer, donc au pire, hein, on n'est pas trop comment dire inquiété par son truc qui pue un peu la merde, il faut l'avouer. Donc en fait, tout simplement, je pense qu'il faisait tout simplement un ping déjà au début, hein, tout simplement. Vous voyez, on peut même voir si je fais un ping. Donc un ping, qu'est-ce que c'est? C'est un test de connexion entre deux équipements. Donc là, en l'occurrence, c'est sûrement une box. Peut-être si c'est chez lui. Si c'est pas chez lui, c'est un serveur. Merde. Alors, et donc, on va donc savoir s'il y a une connexion. Pardon. Donc ping 1.88.168.199.251. Et on peut voir que ça répond. Alors, on ne sait pas ce que c'est. C'est peut-être l'adresse IP d'un particulier. L'adresse IP. Alors, on va essayer de voir NS Lookup. Donc, ça, c'est pour voir si par exemple il y a un nom de domaine attribué à cette IP-là. Donc, c'est-à-dire genre un site. Non. Donc, apparemment. Ouais. Ça a l'air d'être. Alors, je sais pas vers qui est-ce que ça pointe. Et, par exemple, si je tape ça, on va dire donc, dans mon 88.168. Imaginons que c'était un serveur. Voilà, j'avais déjà tapé. Il me afficherait peut-être quelque chose. Hein. Par exemple, moi, si vous tapez mon adresse IP, parfois, vous pouvez voir. Bah là, c'est pas le cas parce que j'ai pas, mais vous pourriez voir tous mes sites et tout. Enfin, voilà quoi. Vous pourrez voir plein de trucs. Mais bon, là, apparemment, en l'occurrence, hein, boum, on tombe sur rien. Donc, on peut voir simplement qu'en fait, il envoie. En fait, il ping bien. En fait, au final, il ping bien, mais. Le problème, c'est qu'il n'arrive pas à trouver le port, sûrement. Donc, peut-être que le port n'est pas redirigé. Bref, pas des trucs comme ça. Bref, voilà. Donc, vous pouvez voir un petit peu qu'au final, il n'arrive pas à l'envoyer. Donc, bon, c'est quelque part ceci. Donc, voilà un keylogger assez drôle. Mais voilà quoi. Le mec, je sais pas s'il a flippé ou autre. Mais en tout cas, je sais qu'il m'a bloqué hein, de sa vidéo. Pas gentil à toi d'ailleurs. C'est pas gentil sur la vidéo. T'es vraiment méchant d'avoir bloqué. Je t'ai dit que t'étais un. Enfin, voilà quoi. J'ai dit ça. J'ai dit ça. Ton truc, il est en mousse. Que t'as d'autres trucs bien. Mais là, ça pue la merde quoi. Bref, et maintenant on va donc apprendre à le supprimer ce truc. Donc c'était, ça va être très très simple. Je cherche un email, ok. C'est très très simple. Comment on va faire? Alors, vous savez donc hein, que vos, hop 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 hop, donc hein, il est donc stocké dans Document Setting. Non, il faut donc en fait aller supprimer donc trollface.exe. Donc le voilà. Faut le supprimer. Donc vous savez qui se trouve là. Le problème, c'est que si vous faites supprimer, et oui, il va vous mettre impossible de supprimer car ce logiciel ou cet exécutable, voilà, accès refusé, vérifie que le disque n'est pas plein, protégé en écriture et que le fichier n'est pas utilisé actuellement. Alors évidemment, le fichier est utilisé actuellement. Sauf que si, vous vous souvenez, si on fait terminer le processus pour l'arrêter, on se tape, pardon, pour le micro, on se tape un vilain écran bleu qui pue la rage. Allez. Hey, let's get it all. I got the money. Let's get it all. Black Eyed Peas. Bonjour. Ok. Donc on va donc utiliser un logiciel plutôt sympathique, donc Unlocker. Donc ça va même être utile pour tout. Si jamais vous avez par exemple des programmes que vous n'arrivez pas à supprimer ou des fichiers par exemple que vous n'arrivez pas à supprimer, parce que voilà, ça vous met le même message d'erreur. Donc vous tapez donc Unlocker. Peut-être même que je le mettrai simplement dans la description de la vidéo. Unlocker, voilà, Unlocker, tout, vous l'installez. C'est vraiment un logiciel très simple, très très petit, hein, rien de très très méchant. Il est vraiment très très bien. Voilà, vous voyez, hein, c'est vraiment très très soft. Indiscutablement puissant dans son domaine, d'autant plus qu'il est gratuit en français. L'essayer, c'est l'adopter. Je suis complètement d'accord avec eux. On va donc le voir. Donc vous voyez, trollface.exe est encore lancé donc dans mon gestionnaire de tâches. Le voilà. Je vais pas le supprimer, sinon je vais me retaper un écran bleu. Donc on va aller donc dans le putain hein, mes documents, bon c'est pas grave, on va donc retourner à l'endroit où il est. Poste de travail, disque local, document setting, administrateur, application de data, le voilà. Donc vous allez faire simplement un clic droit, unlock. Donc ça c'est pour tout, hein. Tous les fichiers que vous voulez supprimer, que vous n'arrivez pas, effacer, renommer ou déplacer. Donc personnellement moi ça va être effacer, valider. Donc là,
Il va me dire qu'il n'a pas réussi à l'effacer, mais qu'il va le faire au prochain redémarrage de l'ordinateur. Parce que comme c'est un processus système important, il ne peut pas le tuer. Il a dû le remarquer ou autre. Voulez-vous effectuer l'effacement lors de votre prochain redémarrage? Je fais oui. Il va donc faire arrêter l'ordinateur, redémarrer l'ordinateur. Voilà. Pour une fois que il s'éteint correctement sans écran bleu. Putain, faut que je finisse FISA parce que va falloir que j'y aille. Donc là déjà, il y a une erreur. Donc là, je sais pas pourquoi est-ce qu'il y a une erreur. C'est à cause du keylogger ou autre. Mais en fait, je vais vous expliquer aussi rapidement pourquoi est-ce que le keylogger vous fait un écran bleu. C'est parce que il doit utiliser en fait, je sais pas, des ressources système qui permettent de capturer en fait, donc en gros, ce que vous écrivez sur votre ordinateur. Il y a d'autres keyloggers qu'il faut savoir. Hein. Il y a d'autres keyloggers, si vous killez le processus, et bah, il vous mettra pas un écran bleu. Hein. Il se quittera normalement. Mais voilà, en tout cas, c'est bien vicieux. Donc là, on peut donc d'ores et déjà voir, je pense. Hop là, controlface.exe n'est plus là. Poste de travail, on retourne pour être vraiment être sûr. Document setting, administrateur, application de data, et le voilà, il est plus là, donc vous avez plus qu'à supprimer les trollface normal. Hop là, et vous avez plus qu'à donc à supprimer les deux choses. Donc voilà, petit tuto vraiment sympa. Donc on a pu voir qu'on a démasqué, on va dire, le hacker, et encore, on sait même pas si c'est lui, mais quelque part, s'il a supprimé mes commentaires, s'il a supprimé mes commentaires, bah c'est qu'il doit pas se sentir voilà très rassuré. Garde-moi Q. Alors Garde-moi Q, c'est donc ma deuxième chaîne. Alors je vais t'abonner à moi en fait, c'est pour voir s'il n'y avait pas de bugs dans les abonnements et tout, et du coup je me suis pas en désabonné, mais activité, on peut même pas voir. Merde, commentaire, non. Hein? Ok. Non. On peut même pas voir que j'ai posté des commentaires avec lui parce qu'il les a supprimés aussi. Non, donc si on retourne. Ouais, j'ai fait même de switcher de compte, mais en tout cas, je ne peux plus poster ici. Hein. Je ne peux plus le troller. Je vais publier, ça passe pas. Vous avez été bloqué par le propriétaire de cette vidéo. Bâtard! Vas-y, viens au château, ma gueule. Enfin voilà, donc j'espère que ce petit, on va dire, tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me poser quelques questions. Mais, je ne viendrai pas non plus vous dire, bah, il faut que tu fasses ça, 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 si, ça, sous, ça, sous, sous, blablabla. Pour si vous avez, si jamais vous avez un virus, hein, parce que c'est pas dans mon intérêt, et puis ça va pas me faire chier, mais. Voilà quoi, c'est un peu inutile, on va dire. Si vous voulez par exemple des tutos ou d'autres tutos comme ça, hein, comment par exemple installer une machine virtuelle, avoir un Linux. Je vous montre rapidement ce qu'est Linux. Mais avoir un Linux sur son ordinateur, franchement. Oh, ouais, ah oui, c'est vrai, j'ai changé de place. Bon, bah c'est pas grave, ou alors un Windows 7, hop là. Je vous le ferai si vous voulez par exemple d'autres astuces, des trucs, je peux vous le faire. En même temps que les autres tutos normaux. Voilà. Donc j'espère que vous aurez apprécié ce petit tuto, vous en aurez appris un petit peu plus à la base. Quelque part, c'était un petit peu du hacking, on va dire, oui, parce que grâce à Wireshark, en tout cas, on peut donc parfois voir ce que les autres transmettent, hein, tout simplement. Par contre, il faut y aller. Et on peut très bien voir ce que les autres envoient comme données et récupérer les mots de passe et tout grâce à ce logiciel-là. Alors bon, ça je vais pas peut-être pas non plus vous le dire parce que je sais pas même moi-même pas trop le faire, mais en tout cas je sais qu'on peut le faire. Je sais que mes profs y arrivent. S'il y en a qui regardent la vidéo et qui connaissent mes profs, ils doivent y arriver, on le sait très bien. Donc voilà, bon, moi je vais vous laisser parce que j'ai entraînement de basket là dans un quart d'heure. Ah là là, j'ai des petits à coacher. Donc il va falloir que j'y aille. Allez, sur ce, bah moi je vous dis ciao tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura bien plu. Et à la prochaine, allez, salut!